Rue du Jazz. Rue du Jazz. Rue du Jazz. Avec Amiral. Sur Jazzbox, Radio Internationale. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Rue du Jazz. La Rue du Jazz, c'est une heure de jazz, de soul et de potins de stars. Notre star du jour, c'est la musique noire des années 60, avec la chronique cinéma de Cécile Dervieux, qui nous parlera d'une comédie musicale que j'ai adorée. Sortez les paillettes et les tambourins, voici les Sapphires. Notre star du soir sera l'œuvre redécouverte d'un pianiste de bar, compositeur de grand talent, dont la musique revit aujourd'hui rue du jazz, dans la voix et les yeux de la comédienne Françoise Taillandier, que je retrouverai tout à l'heure. Alors, c'est d'un pas rêveur que je me dirige vers les studios de Jazzbox Radio International. À tout de suite. Thank you.
I'm nobody. But wait a minute. I've got 36 expressions, sweet as pie to tough as leather. And that's 6 expressions more than all the Barrymores put together. Only 6? Instead of kicking me, why don't they give me a lift? I think it's a plot, 'cause they're scared I got such a gift. I'm miffed. 'Cause I'm the greatest star. I am by far. But nobody knows it. Wait, they're gonna hear a voice, a silver flute. They'll cheer each toot when I expose it. Can't you see the look at me that I'm a natural Camille? As Camille, I just feel I have so much to offer. I know I'll be divine because I'm a natural coffer. About the traveling salesman. A thousand laughs. Stick around for the jokes, folks. A thousand faces. I reiterate, when you're gifted, then you're gifted. These are facts, I have no axe to grind. Hey, what are you blind? In all of the world so far, I'm the greatest star. Who is the pip with pizzazz? Who is all ginger and jazz? As glamorous as who's an American beauty rose with an American beauty nose and 10 American beauty toes. Eyes on the target and wham! One shot, one gunshot and bam! Hey world, here I am. She is the greatest, the best, the best. La sublime Shadé en ouverture avec King of Sorrow, suivi d'une pépite pleine d'humour, I'm the Greatest Star, par Diana Ross et les Supremes, une version peu connue d'un des thèmes de la comédie musicale Funny Girl, qui a fait de Barbara Streisand une véritable star avec un Academy Award et un Golden Globe pour la meilleure actrice. I've seen the sunset alone, watch the moon shine in its place. Remember when the rain hit the tears on my face? Yeah, I kept praying for a certain kind of sunshine.
smiling every day. I gave up, had it all figured out. Love was gone and I would live my life this way. Then there was you. You took my pain away. Then there was you, bringing me sunshine every day. I was broken at a loss for words, picking up the pieces of my broken heart. Yeah. I was up and down and back and forth and round again, trying to find love and happiness. Well, almost lost my mind trying to hold on, yeah, to what I thought. Je vous l'ai annoncé en début d'émission, nous allons parler musique soul aujourd'hui. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous passer un titre de David Ruffin, le chanteur des Temptations, en duo avec son frère Jimmy. David Ruffin aurait pu être notre crooner du jour, mais vous le savez si vous suivez notre émission, il n'était ni le modèle du gendre idéal, ni celui du crooner de rêve. Son comportement violent avec sa compagne Tammy Terrell est connu. Mais oublions tout ça pour nous laisser bercer par sa voix cajoleuse. Like the birds in the trees, my heart sings a rhapsody of love for you. Listen, honey, I know your love belongs to someone else, but baby, I've got to have you for myself. So I'm gonna keep on trying every day, baby.
told you, but listen, honey, to the falling star, that's what you are, from the heavens above. You're so fine, no treasure on earth could ever, ever match your worth. You're a picture of love. Oh, baby, baby, I know to you I'm just a lovesick guy, but I love you and I need you by my side. So I'm gonna keep on trying, oh baby, till I win your love. That's what I'm gonna do. So I'm gonna keep on trying, oh Lord have mercy me, I've gotta win your love. Oh yeah, never gonna stop trying. That's got you by his side. Girl, he's got everything. There's no end to his happiness. Girl, to be in his place, I'd gladly give anything, anything. I know your love belongs to him, but I could never be satisfied just being your friend. So rue du jazz, rue du jazz, rue du jazz, avec Abial sur Jazzbox Radio Internationale. Vous la reconnaissez, cette petite musique, c'est la musique de notre chronique cinéma, car je vais de ce pas retrouver Cécile Dervieux, notre chroniqueuse et programmatrice cinéma, au Royal, le cinéma de la rue du jazz. Bonjour Cécile. Bonjour Abial. Quel film nous présentez-vous cette semaine au cinéma Le Royal ? Au Royal cette semaine, je vous propose de découvrir le film musical et plein d'optimisme, Les Saphirs. Oh, Les Saphirs ! Quel joli titre ! Cela me dit quelque chose. Pouvez-vous nous pitcher le film ? En Australie, dans les années 60, quatre jeunes filles sont repérées par un manager. Il cherche à recruter un girl band pour aller divertir les troupes américaines en pleine guerre du Vietnam. Ce film retrace l'épopée de ces quatre chanteuses, au cours de laquelle elles vont vivre et grandir. Oh, I know a place. Come on.
Nous venons d'entendre un grand classique de la musique soul, I'll Take You There, un succès des Staple Singers, réinterprété par les Sapphires. Les Sapphires, les Saphirs, un film où la musique soul est omniprésente. En effet, pour le réalisateur Wayne Blair, bercé depuis très jeune par la soul, la force de cette musique est qu'elle s'adresse à tous et à toutes les classes, tous les milieux. Elle est ancrée en vous. La musique soul est un élément essentiel de ce film. Les Saphirs interprètent de nombreux classiques soul, comme ce titre, ou encore I Heard It Through the Grapevine de Marvin Gaye. Marvin Gaye. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Nous sommes en compagnie de Cécile Dervieux, la programmatrice du cinéma de la rue du jazz, le Royal. Dites-moi Cécile, l'histoire des Sapphires, c'est une histoire vraie ? À l'origine, Les Saphirs est une pièce de théâtre jouée en 2004, réalisée par Tony Briggs, qui s'inspire de l'histoire de sa mère, de sa tante et de ses cousines. Elles sont parties chanter pour les troupes américaines au Vietnam avant d'être connues sur la scène internationale. Alors les Sapphires, c'est un superbe film musical, mais je vous connais Cécile, vous aimez les films qui portent un message. Et là, les Sapphires, c'est un film qui porte un message politique. Ce film, c'est aussi un film qui dénonce. Dans les années 60, le racisme est répandu en Australie. On connaît très peu ce pays sous cet angle-là. Les quatre chanteuses sont d'origine aborigène. Il s'agit de trois sœurs et de leur cousine qui chantent ensemble. Au début du film, elles tentent leur chance et se rendent à une audition dans un lieu uniquement tenu par des blancs, où elles se font finalement remarquer. Et on va vite découvrir que la cousine Kay est une jeune métisse à la peau claire qui a été enlevée plus jeune par les autorités australiennes. C'est le phénomène qu'on appelle les générations volées. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le phénomène des générations volées ? Les générations volées, c'est ce qui se passait dans les années 60, quand les autorités australiennes venaient enlever des enfants aborigènes qui avaient la peau claire pour les élever comme des blancs. Et c'est ce qui se passe pour la cousine Kay qui fait partie de ce groupe et qui rejoindra ses trois sœurs pour aller chanter au Vietnam. Wamraka Moses yenyen wala wala yepone yepuj ngara bura fera yumanayala ngara bura fera yumanayala yala ngara bura fera yumanayala yala ngara bura fera yumana
pura fera yumana, pura fera yumana yala yala. Yenduk peku jesu, brau bukana yumana, ngaura pura fera yumana yala. Ngaura pura fera yumana yala yala. Ngaura pura fera yumana yala yala. Ngaura pura fera yumana, pura fera yumana. Bura fera yumana yala yala. Ngaura bura fera yumana yala yala. Ngaura bura fera yumana yala yala. Ngaura bura fera yumana. Bura fera yumana. Bura fera yumana yala yala. Ngara Burafera, la chanson aborigène des Safars. Cécile, vous avez choisi ce film parce qu'il est musical, parce qu'il est rebelle, mais encore. J'ai choisi ce film et j'aime ce film aussi parce que c'est l'histoire de quatre jeunes femmes au caractère bien trempé, qui se battent, qui sont soudées et qui, grâce à cette aventure musicale, se révèlent. Et ces femmes, elles vont devenir des personnalités importantes qui vont combattre pour la cause aborigène. Et ça aussi, c'est une histoire vraie. Merci Cécile pour cette très belle découverte. À bientôt. À bientôt, Abiel. Thank you.
Du cinéma Le Royal au bar lounge de la rue du Jazz, la note bleue, il n'y a que quelques pas. M'y voici attablée aux côtés de mon invité du jour, la comédienne Françoise Taillandier. Bonjour Françoise Taillandier. Bonjour Abial. Alors Françoise, je vous ai vue, je vous ai rencontrée il y a quelques années déjà, car j'ai assisté à un spectacle que j'avais adoré à l'époque, qui s'appelait Kiki de Montparnasse. Et je crois que j'étais venue à la dernière d'une saison de Kiki de Montparnasse, mais il y en a eu plusieurs, c'est bien ça ? Kiki de Montparnasse, ça s'est joué sur trois saisons, 2013-2014, 2014-2015, voilà. Je suis tombée amoureuse de Kiki de Montparnasse en lisant les souvenirs qu'elle avait écrits et qui étaient tombés dans les oubliettes pendant plus de 50 ans et qui venaient d'être retrouvés et d'être édités aux éditions Corti, qui m'ont donné l'autorisation de faire une adaptation théâtrale. Mais il y avait très peu de choses à adapter parce que Kiki écrivait comme elle parlait, en racontant des petits épisodes de sa vie depuis son enfance jusqu'à son heure de gloire où elle était la reine de Montparnasse. Et j'ai eu très peu de travail à faire pour l'adaptation. Et toutefois, j'ai tenu à restituer à travers elle une époque et à travers les musiques, les poèmes et les peintures des peintres que je citais, des poètes que je nommais comme Robert Desnos et des musiques qui allaient de Gershwin à Ravel en passant par Satie, Paul Misraki pour la variété, etc. Voilà, donc c'est un spectacle musical très complet. Françoise Taillandier, avec Kiki de Montparnasse, vous nous faisiez voyager au début du siècle dernier. C'était surtout les années 20 qui étaient les années folles et qui ont vu l'explosion de peintres, de poètes, de chanteurs, de modèles dont Kiki était la muse, enfin était la plus célèbre. Voilà. C'est une époque qui vous fascine ? Oui, oui, c'est vrai que... Pourquoi elle me fascine, je ne sais pas trop, parce qu'elle est très gaie, elle est très inventive, elle est très folle. Et puis, je me retrouve assez bien dans ma personnalité physique autant que morale dans cette époque. Voilà. Et dites-moi Françoise, là actuellement je sais que vous venez de conclure une saison théâtrale avant d'en commencer une autre. Alors quel est le spectacle qui vous tient à cœur en ce moment ? Le chien-chien à sa mémère. C'est le nom de mon nouveau spectacle. J'adore ce titre. Le chien-chien à sa mémère, c'est le titre d'une nouvelle et d'un recueil de nouvelles. Donc le recueil porte le nom éponyme de la première nouvelle, Le chien-chien à sa mémère. C'est une série de petites nouvelles qui sont autant tendres qu'absurdes. D'un auteur que j'ai découvert il y a quelques années, qui s'appelle André Bayon. C'est un auteur belge. Il est mort en 1932, donc pas de droit d'auteur à payer. Ça tombe bien. Ça n'est pas négligeable. Et il m'a tout de suite enchantée quand je l'ai découvert. Thank you.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes combien sur scène? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ce chien-chien à sa mémère? Sachant qu'il s'agit de nouvelles et donc de récits que je m'approprie, c'est une espèce de seule en scène. Mais cependant, je suis accompagnée et bien accompagnée par un violoniste qui joue de la trompette. Bon. C'est la vérité. Le violoniste s'appelle Alain Martinez. C'est un grand violoniste. Il joue également de l'alto. Et il se trouve qu'il joue du bugle, de la trompette, du cornet. Alors, comme il y a trois nouvelles dans le spectacle, nous avons décidé d'attribuer à chaque nouvelle son instrument de musique. Mais est-ce que vous avez, réécrit, enfin vous dites les nouvelles telles qu'elles sont écrites ou est-ce que vous les avez adaptées? Je les dis telles qu'elles sont écrites, mais je les adapte pour la scène. Mais je suis dans le respect de l'écriture d'André Bayon, parce que si je ne respecte pas son style, on perdra tout le sel de l'histoire. Et quant aux musiques, je les puise chez Paul Autreux, dont nous allons parler, parce que Paul Autreux a joué un rôle très important dans votre vie de comédienne. Dans ma vie tout court. Dans ma vie tout court d'abord, dans ma vie de comédienne ensuite. Paul Autreux, c'est un musicien, pianiste, compositeur, qui accompagnait tous mes spectacles, dont le dernier Kiki de Montparnasse, où il s'était découvert des talents de comédien qui allaient bien au-delà de ses talents d'accompagnateur au piano du spectacle. Paul était amené à jouer le rôle des différents personnages masculins qui traversaient la vie de Kiki. Vous êtes bien sur Jazzbox Radio International. Françoise Taillandier, Paul Autreux, qui a traversé votre vie d'artiste et votre vie tout court, est malheureusement parti vers d'autres cieux. Mais vous faites vivre son œuvre. Dites-nous comment. Paul est parti en laissant en vrac un tas de compositions de son écriture un petit peu difficile ou des choses qui étaient heureusement imprimées sur imprimante. Et j'ai tout rassemblé. Parce que j'avais fait la promesse que ces musiques ne resteraient pas là dans le salon entassées dans ces étagères, mais qu'elles vivraient. Et c'est ce que je me suis employée à faire. Et j'ai eu la chance de trouver un éditeur de musique qui s'appelle Patrick Moulou, qui m'a énormément aidée, autant par le travail de gravure des musiques que par les travaux d'édition. En m'écoutant, en essayant de, avec toute l'empathie dont il a fait preuve, pour réunir autour de ses musiques quelques photos, quelques poèmes, quelques écrits de Paul. Et cela donne des livres qui sont très beaux, là, que vous avez apportés avec vous aujourd'hui. Les spicilèges. Les spicilèges. Spicilège, c'est un mot du vieux français, qui n'est plus usité tellement, qui veut dire recueil, en fait. Et spicilège, pourquoi? Parce que plutôt que florilège, j'aime bien le nom florilège, il est léger, il vole, mais il est trop usité, puis il englobe un peu tout et n'importe quoi. Donc là, j'ai préféré prendre ce mot particulier, qui est aussi léger, et qui réunit donc tous les écrits de Paul, quelles que soient les périodes, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ces musiques ont été écrites, et l'évolution de son art aussi, parce qu'il a beaucoup évolué. Quel était justement comment pourrait-on définir sa musique, si on peut la définir? C'est un petit peu difficile de la définir. Il a une musique qui lui appartient, qui lui ressemble, des constructions harmoniques qui sont magnifiques, sur lesquelles on peut broder, évoluer. Et c'est ce qu'a fait un de ses amis pianistes de jazz aux USA, Patrick Poladian, quand j'ai demandé à ce pianiste, Patrick, est-ce que tu pourrais enregistrer les musiques de Paul? Et bien sûr, il m'a dit oui tout de suite. Et ce qui lui a beaucoup plu, c'est que justement, je lui ai donné la liberté, parce qu'il m'a quand même demandé, est-ce que je peux avoir la liberté d'improviser? Je lui ai dit, bien sûr, Paul a écrit ses musiques dans un esprit
d'ouverture, de partage, et tu peux, toi, avec ta personnalité, te l'approprier. Et c'est ce qu'il a fait tout en respectant la musique de Paul. La fille du bar, une composition de Paul Autreux, interprétée par Patrick Pauladian. Extrait de l'album Spicilège qu'on peut retrouver sur le site mypartition.com. This is jazz. Alors pour revenir sur ses œuvres, Paul Autreux lui-même ne les avait jamais enregistrées. J'ai quelques enregistrements à la maison, mais qui c'est des enregistrements qui n'ont pas été faits dans un cadre professionnel. Ce sont des enregistrements privés. Privés, voilà. J'en ai quelques-uns. Ce sont toujours des petits morceaux très courts. Il avait un défaut, Paul. On a tous des défauts. Il était extrêmement anxieux à l'idée de se produire dans un public qui l'écoute. Il avait passé sa vie... Il avait gagné sa vie comme pianiste de bar dans des hôtels de luxe. Et il adorait ce métier parce qu'on n'écoute pas vraiment. On entend, mais on n'écoute pas vraiment. Ou inversement. Ça, c'est très, très intéressant. Voilà. Et donc, ça lui convenait tout à fait parce que c'était un grand traqueur. Il n'avait pas grande confiance en lui, malgré son grand talent. Et ce qui lui convenait, c'était de pouvoir jouer magnifiquement, mais en sachant qu'il n'y avait pas une oreille critique, attentive, qui était venue spécialement pour lui. Il aimait beaucoup cette ambiance.
Et il a donc gagné sa vie de cette manière-là, en travaillant à la Tour Eiffel, au Ritz, au Plaza Athénée, de grandes tournées en province aussi. Il me rappelait souvent un grand moment à la mer Poulard, au Mont-Saint-Michel, où il avait vécu un mois durant, à jouer tous les soirs dans ce noble établissement. Voilà, il aimait beaucoup s'exprimer de cette manière-là. C'était un amoureux de la musique. Portrait in Jazz. Passons justement à l'interview Portrait in Jazz. Acceptez-vous, chère Françoise Taillandier, de répondre aux questions de l'interview Portrait in Jazz? Bien sûr, Abial, bien sûr que j'accepte. Même si ma culture jazz est vraiment très très maigre et... C'est ce qu'on me répond à chaque fois. Et en fait, on se rend compte, parce que si vous voulez, Françoise, enfin, si tu veux, Françoise, en fait, dans cette émission, j'interviewe des gens qui font tous les métiers. Ils peuvent être chanteurs, ils peuvent être comédiens, ils peuvent être artistes, ils peuvent être dans les jardins. Donc, en fait, tous disent, ah, mais non, mais moi, je suis pas un spécialiste, parce que chacun croit qu'il faut être un spécialiste pour parler de jazz. Eh bien, moi, je dis que non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous aimez dans le jazz. Alors, justement, Françoise, ma première question, je vais repasser au vouvoiement parce que nous sommes dans l'interview Portrait in Jazz. Chère Françoise, quel artiste, quelle musique de film peut-être, vous a fait découvrir le jazz, a fait entrer le jazz dans votre univers musical? Bill Evans, je pense. Bon, ben pour quelqu'un qui ne connaît pas le jazz. Bill Evans, curieusement, par la musique classique. J'avais un disque à la maison de Bill Evans, qui jouait dans tous les sens du terme, c'est-à-dire jouait avec des musiques, des morceaux classiques très connus. De mémoire, il y a Gabriel Fauré, il y a Ravel, il y a Chopin, sur lequel il joue, il dérive, il improvise. Et ça m'avait fasciné qu'on puisse faire du jazz et transformer ces musiques si célèbres en leur donnant une nouvelle vie, une nouvelle naissance. J'avais trouvé ça absolument magnifique, ça m'avait émerveillée. Et du coup, ça m'a fait entrer dans le jazz. J'écoute énormément de musique classique, j'écoutais énormément de musique. Et donc, j'étais un petit peu frileux sur le jazz, bien que, bien sûr, le jazz qu'on danse, c'est toujours un plaisir. Citez-moi quelques artistes du jazz qu'on danse qui vous ont fait danser ou qui vous ont fait rêver, ou que vous écoutez peut-être dans votre voiture, ou le samedi matin en prenant un bain. Oui, absolument, mais là, le nom ne me vient pas à la tête. Une chanteuse, peut-être? Ah ben oui, les chanteuses Billie Holiday, les chanteuses La Fitzgerald, ben, enfin toutes les grandes. Les grandes classiques. Oui, les grands classiques. Et est-ce qu'il y a justement du jazz chanté peut-être en français, vous qui êtes comédienne et amoureuse de la langue, que vous aimez, ou est-ce que c'est vraiment... Non, c'est pas vraiment ce que vous écoutez. Alors, il y en a peu, il faut que je cherche bien. Mais il y en a une, oui. Oui. Il y en a une qui m'a fait bien plaisir en chantant en français des grands standards américains, c'est Victor Laszlo. Ah, Victor oui. Laszlo. Oui. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous revient? Je peux dire qu'elle met une émotion et une vérité dans ses chansons en français qui valent bien l'anglais de loin. Notamment, je me souviens de Pleurer des rivières. Ah, quelle belle chanson! Qui me fait pleurer, bien sûr, que j'ai eu envie de chanter moi-même, parce que, oui, dans mon salon, pas seulement dans ma salle de bain, dans mon salon, quand Paul était là sur le piano à queue et qu'il me faisait le grand plaisir d'adapter pour moi, à ma petite tessiture, tout ce que je voulais chanter, j'ai chanté Pleurer des rivières. Pleurer des rivières, eh bien on va l'écouter maintenant par Victor Laszlo. Ah,
pas boire dans mon verre. Tu peux me pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi, naguère. Et ça, gueule d'amour, tu m'as joué, tu perds. Alors va me pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi, naguère. Tu m'as cassé, presque cassé le cœur en deux. Il s'en est fallu de peu. Tu te rappelles, je me rappelle quand tu disais: l'amour c'est imbécile, l'amour c'était pas pour toi. Et adieu, gueule d'amour, j'ai besoin de changer d'air. Alors va. Chère Françoise, une question traditionnelle de cette interview Portrait in Jazz. Nous allons imaginer que le jazz est une personne. Alors tout à l'heure, vous m'avez dit que Bill Evans, pour vous, avait, comment dire, symbolisé la renaissance, la transformation. Si le jazz était une personne, quelle serait sa principale qualité ? D'être libre. Le jazz, c'est la liberté. C'est la fantaisie, c'est l'exploration, c'est la découverte, c'est... On ne peut pas enfermer le jazz dans une définition, justement, puisque c'est le jazz. Et alors, si le jazz est tout ça, chère Françoise, en quoi votre vie est-elle jazz? Ah, je ne sais pas si ma vie est jazz. Peut-être que j'aimerais qu'elle le soit davantage. Je ne sais pas si ma vie est jazz parce que je me rends compte, avec la grande liberté dont nous jouissons dans nos contrées, dont je suis bien consciente, et on reste tout de même toujours enfermé dans un tas de choses, à commencer par son éducation, par son sexe, par son âge, par sa couleur, par son niveau de vie, par tous les centres d'intérêt qu'on a développés ont une cause, elles ne viennent pas de n'importe où, et il faut rendre grâce pour cela. En tout cas, je suis consciente qu'il faut rendre grâce à ses parents, à son pays, aux amis qu'on rencontre, ceux qu'on choisit, et même ceux qu'on ne choisit pas, même les personnes qu'on ne choisit pas, et tous les chemins de vie nous amène à faire face, quel qu'il soit. Il nous amène à nous révéler à nous-mêmes si on veut bien s'en donner la peine. Donc il ne faut rien regretter des rencontres qu'on a faites, je pense, de ce qu'on a vécu, parce que ce sont autant d'occasions qui nous construisent, à condition de s'en rendre compte, de le vouloir et d'être un petit peu perspicace et honnête aussi. Voilà. C'est magnifique, Françoise. Je vous remercie pour cette très belle phrase qui dit beaucoup de choses sur la vie et le bonheur de vivre.
Alors le chien-chien à sa mémère se jouera à la rentrée prochaine, ça se jouera où ? Alors dans un premier temps, ça se jouera au Théâtre, entre le 11 et le 18 septembre, tous les soirs. Le Théâtre, c'est quelle adresse ? Rue Théodore Deck, dans le 15e arrondissement, près de la porte de Versailles, Convention. Et nous enchaînerons au Théâtre de l'île Saint-Louis, tous les mardis et samedis d'octobre, à 21h. Merci Françoise, à très bientôt sur scène. À bientôt à Bial. Pour le chien-chien à sa mémère. Bien entendu. Ils étaient dans la rue du jazz ce soir. Shadé, Diana Ross, Trombone Shorty, David Ruffin, Les Sapphires, Marvin Gaye, Sharon Jones, Clara Cormondi, Michel Petrucciani, Bill Evans, Patrick Poladian pour Spicilège, l'album consacré à l'œuvre de Paul Autreux, et Victor Laszlo. Je remercie notre invitée Françoise Taillandier, que vous retrouverez sur scène en septembre au Théâtre et en octobre au Théâtre de l'île Saint-Louis. Toutes les infos sur le site internet lematoukitous.fr, comme un chat qui tousse, mais c'est un matou, lematoukitous.fr. Merci à Cécile Dervieux pour sa chronique cinéma consacrée au film Les Saphirs. Retrouvez le détail de la programmation de l'émission et des bonus sur notre page Facebook, l'adresse abiale.rue-du-jazz, abiale.rue-du-jazz en un mot. Et pensez-y, vous pouvez désormais trouver les podcasts des émissions sur le site de Jazzbox Radio International. Ça y est, les lumières de la rue du jazz vont bientôt s'éteindre, mais on se retrouve très vite. Où ça ? Dans la rue du jazz, bien sûr. Jazzistiquement vôtre, à Bial. Tchuss !